Alors, restauration écologique et ou ingénierie écologique, quel terme employer dans ces relations entre l'homme et la nature en matière de conservation, de gestion des espaces naturels notamment Pour une définition de la restauration écologique, on définit la restauration écologique généralement comme le processus qui assiste l'autoréparation d'un écosystème qui a été dégradé, endommagé et détruit. Processus qui assiste l'autoréparation, c'est-à-dire que finalement on accompagne la résilience de la nature, c'est-à-dire sa capacité à revenir à un état avant la perturbation. Dans ce domaine de la restauration écologique, on peut distinguer deux sous-domaines la réhabilitation, qui consiste à intervenir pour restaurer une ou des fonctions de l'écosystème, comme sur cette diapositive, on va mettre en place en fait des micro-aménagements pour retenir l'eau dans le cadre d'érosion torrentielle, ou alors la restauration sensus stricto, qui consiste à restaurer l'intégralité d'un écosystème à travers sa richesse en espèces, sa composition en espèces, sa structure, mais aussi ses fonctions. D'où vient la restauration écologique aux origines de la restauration écologique, celle qui a été documentée en fait par des informations de recherche, les premiers projets ont eu lieu aux États-Unis dans les années 30, notamment par un professeur de l'Université de Wisconsin, Aldo Leopold, qui a été le premier à mettre en place des opérations de, de restauration de grandes prairies nord-américaines à partir de terres dégradées par des cultures intensives. Il a notamment été à l'origine, on peut dire, des, des grands axes, des grandes idées de la restauration écologique moderne actuelle à travers son discours qui était notamment de restaurer des échantillons d'écosystèmes et non pas l'ensemble en fait des milieux concernés et sur la définition de l'écosystème de référence qui dans son cas n'est pas l'écosystème originaire d'amérique du nord mais une relation entre l'homme et la nature qui était déjà dans cet espace fortement influencée par la gestion des grands troupeaux d'herbivores par les amérindiens. En France, les origines de la restauration écologique peuvent être attestées, en fait, peuvent remonter finalement par des, les opérations de restauration des terrains en montagne qui ont été mises en place au XIXe siècle dans le cadre de la lutte contre l'érosion torrentielle dans les Alpes suite en fait, à des opérations de déforestation intensive et de surpâturage. Que faut-il restaurer quand on restaure, en fait, les écosystèmes, on peut chercher à remettre en place la biodiversité sous toutes ses composantes, les animaux, les végétaux, etc., mais également à tous les niveaux d'organisation, c'est-à-dire des gènes au paysage. On peut également s'intéresser à la fonctionnalité des écosystèmes, à savoir les fonctions qui sont nécessaires pour que ces écosystèmes fonctionnent, c'est le cas de le dire, mais également pour les fonctions qui vont rendre des services à l'homme, qu'on appelle maintenant services écosystémiques. On peut aussi s'intéresser tout simplement à redonner du sauvage à ces écosystèmes en s'intéressant à la naturalité, notamment la naturalité future, qui est celle qui va s'exprimer une fois que les dégradations auront cessé. Quels sont les objectifs finalement de la restauration écologique On considère qu'en restauration écologique, les, écosyst... les objectifs... Quels sont les objectifs de la restauration écologique on considère en matière de restauration écologique que les objectifs sont de remettre l'écosystème qui a été dégradé sur une trajectoire qui va lui permettre d'atteindre une référence qui existe encore ou qui n'existe plus et à savoir que cette référence a elle-même en fait finalement euh, des oscillations et que le succès de la restauration écologique existera quand ces deux courbes seront euh, superposées contrairement à la courbe de l'échec où on n'a pas réussi soit à réintroduire des espèces soit à remettre en place des fonctions. comment évaluer le succès de la restauration écologique? Évaluer le succès de la restauration écologique, ça voudrait dire qu'on a été capable de remettre en place toutes les composantes de l'écosystème et toutes ses fonctions. Généralement, sur toutes les méta-analyses qui ont pu être faites, à l'image de ce qui se passe actuellement sur, le, sur la présentation, on n'atteint généralement pas l'intégralité, la restauration de l'intégralité de l'écosystème, mais un palier. Ce palier étant différent selon les compartiments auxquels on s'est adressé. Ici, dans le cadre de la restauration des eaux humides, on estime qu'on a pu restaurer 70 à 80 des populations d'oiseaux, des végétaux, etc. Mais en aucun cas, on a pu atteindre la référence en fait qui existait avant les perturbations. Face à ce constat qui est général, une alternative a été proposée à la restauration active des écosystèmes passés, qui est celle finalement d'accepter notre incapacité à restaurer certains écosystèmes quand les niveaux de dégradation ont été trop forts, c'est-à-dire quand l'habitat a été trop perturbé ou qu'on a perdu trop d'éléments. Dans ce cas-là, on va parler de nouveaux écosystèmes. Ces nouveaux écosystèmes sont tout à fait viables. Certes, ils ont perdu des espèces et des fonctions suite à la dégradation, mais on peut espérer qu'à l'avenir, à nouveau, ils gagneront ces espèces et ces fonctions. Et donc là, l'objectif de la restauration dite passive ou spontanée sera finalement de laisser faire la nature telle qu'elle s'exprime aujourd'hui, intégrant les changements d'usage et les changements climatiques. Quelques exemples en fait, d'opérations de, de restauration écologique qui intègrent finalement des principes d'ingénierie écologique. C'est par exemple utiliser pour la restauration ce qu'on appelle des ingénieurs de l'écosystème, c'est-à-dire des espèces qui vont avoir des rôles majeurs dans la restauration de l'écosystème. À l'image ici par exemple d'une opération qui a été faite par, pour de la restauration de pelouses sèches méditerranéennes où nous avons été amenés à transplanter des reines fondatrices, c'est-à-dire des fourmis en fait, moissonneuses, avec pour objectif que Ces fourmis nous redistribuent les graines des espèces en fait, de ce milieu. Donc, après les avoir récoltées et mises en éprouvette, nous sommes des scientifiques elles sont réintroduites en fait, dans le milieu et nous allons suivre ensuite leur implantation et les impacts qu'on espère positifs sur la richesse et la diversité des plantes de ce milieu. Enfin, au contraire, sur ce même type de milieu, qui sont des pelouses sèches méditerranéennes, quand vraiment le niveau de dégradation a été trop fort, comme ici dans le cadre de l'installation en fait, de carrières et d'une centrale à bitume, qui a détruit totalement le milieu, y compris son sol, sa végétation, mais comme vous le voyez, qui a aussi euh, inclus dans ce milieu de nombreux euh, de nombreux matériaux euh, exogènes. et eh bien, on peut être amené de faire un autre choix qu'une restauration active qui finalement n'atteindra pas ses objectifs. C'est finalement de laisser s'exprimer la nature qui s'est mise en place depuis l'arrêt de cette exploitation, comme on le voit ici, avec la présence d'un nouvel écosystème totalement différent de ce qui existait avant, mais qui finalement peut présenter des originalités avec la présence d'arbres, de nappes d'eau perchée etc., et d'espèces qui peuvent être potentiellement intéressantes au niveau pour conclure, restauration ou ingénierie écologique Eh bien, on peut faire finalement de la restauration écologique sans faire finalement de l'ingénierie écologique, c'est-à-dire en utilisant des processus d'ingénierie civile, on n'a qu'une action finalement que pour les vivants, ou au contraire, si on veut vraiment avoir une action à la fois pour le vivant, c'est-à-dire restaurer les écosystèmes, mais aussi par le vivant. Dans ce cas-là, comme nous avons vu dans l'exemple, quand on utilise des ingénieurs de l'écosystème, on va faire de l'ingénierie écologique sans stricto, une action qui est à la fois pour et par le vivant. Et vous pouvez voir que dans la pratique, quelquefois, on va étendre cette dénomination ingénierie écologique à de la restauration écologique ou à des processus de bio-inspiration, de biomimétisme. Les termes, encore une fois, sont en perpétuelle évolution. Quelle perspective dans ce domaine en matière de recherche au niveau de la restauration écologique. Finalement, ben, quelle nature voulons-nous Allons-nous plutôt restaurer des écosystèmes nouveaux en laissant faire la nature dans le cadre des changements climatiques actuels Allons-nous continuer à essayer de restaurer des écosystèmes culturels qui ont disparu et, qui, que, et dont on n'atteindra peut-être finalement pas l'intégralité vu les changements de conditions écologiques et socio-économiques Quels sont les objectifs prioritaires pour la restauration Comme nous l'avons vu, faut-il axer sur la biodiversité, les services écosystémiques ou même la naturalité Quelles techniques allons-nous privilégier ben, nous Voyons que finalement, pourquoi ne pas utiliser d'ingénierie écologique qui va avoir un impact environnemental plus faible que le génie civil, donc agir dans la durabilité Et enfin, comment évaluer ce fameux succès de restauration, notamment à court terme Eh bien, pourquoi ne pas utiliser, pourquoi pas ne pas utiliser des espèces bio-indicatrices qui vont nous révéler ce succès de restauration